Défi pour notre ami Lenny Kim, qui va donc faire un... Connaît-il bien la chanson? C'est un karaoké, tout simplement. T'inquiète, je la connais bien. Ok, on va baisser la musique à des moments donnés, voir s'il est dans le rythme. Ok, attention. Elle est belle en plus, moi, je trouve. Hein. Ouais. Franchement, je la trouve belle. Ouais. Ah non, mais sur les paroles... Ouais. Pas. Hello, baby, mais qu'est pas ça? J'entends des baillatres sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est chippé? Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as aidé dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, ouais. En Katiana, baby, tu d'aides ça. Ouais, tu l'as. Oh, dja dja. Pour l'instant, y'a pas une fausse, hein. Y'a pas moyen, dja dja. Ok. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en Katiana, baby, tu d'aides ça. Ok, deuxième couplet, là, il peut. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya, eh. Crache encore, ya, eh. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu joues un rôle, tu finiras aux enfers. De façon Nakamura, je l'ai couché. Tu l'as. Tu jouais les grands frères pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Pardon, putain, mais tu déconnes. Pardon. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ok. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. Oun, oun. Ok, bravo. Ta... Ok, ça c'est fait. Deuxième sting, bon, gagné. Bien joué. Bien joué. Merci, merci. Tu la chantes. Mais tu la chantes quand? En loge, des fois, avec tout le monde. Dans le tourbus, on s'éclate avec. Ouais, ouais, ouais. Y'a combien de danseurs, tu m'as dit? On a 6 danseurs avec nous sur la tournée. L'ambiance, elle est comment? L'ambiance, elle est chambée. Franchement, ils sont tous super. On s'entend bien, c'est cool, c'est une belle équipe. Mais avec toi cool. Aussi, à un moment donné, l'ambiance, gentil. Elle est bonne, quoi. Merci beaucoup. Allez, deuxième Sting Bombs a gagné maintenant. Il a réussi son défi. Maintenant, deuxième question à vous de jouer, les copains. C'est vous qui devez trouver en premier pour gagner la deuxième Sting Bombs qui sent mauvais, qui fait des bruits, qui pète. C'est très simple. La deuxième question, la voilà. Il nous l'a annoncé. Il nous l'a annoncé. En quelle année va sortir son deuxième album? Allez, c'est parti, les amis. 2019. Non, faut pas le dire. Ah non, mais c'est pas possible. Non, mais il nous l'a fait deux fois. Je vais crever. Je vais crever de rire. Bon, alors, attention. Ok, autre question. Bonne journée, merci. Merci, c'était un plaisir. Bah, 2019, dans tous les sens, ça s'attendait. Hein. Ah, désolé. Mais ils veulent hein. Le mois, en fait, ils veulent le mois. À part, si, il y en a une qui s'est trompée, c'est Ena Lonson, là. Et elle dit 2018, non, c'est 2019, là. Oh. Ok, autre question. Vous l'avez vu tout à l'heure. Normalement, si vous étiez branché, si vous n'étiez pas branché, dommage, obsolète, bang, bang, zap sur notre chaîne. L'idée est simple. Il a chanté une chanson avec quoi dans la bouche? Il a chanté une chanson de Noël avec quoi dans la bouche? C'est parti. Top! Deuxième question, le plus rapide. Non, tu réponds pas, Lenny, cette fois-ci. Ils sont morts de rire que t'es trop drôle, Lenny. Non, mais ils sont good game, bien joué. Harissa, c'est Gogan Lopez. Gogan Lopez qui remporte la deuxième Sting Bombs. Tu vas sur notre Instagram, du live tiré du bas. Officiel, et tu dis Carlito, j'ai gagné la deuxième Sting, tu balances le cadeau, il va la dédicacer ici, là. Yes. Et on te l'envoie comme une grenade. Ça fait 25 minutes, donc on va aller super vite.